Ah, ces musiciens, ils ont vraiment de l'inspiration n'importe où. Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est bien le jingle de la SNCF que vous entendez là. Et c'est David Gilmour, chanteur des Pink Floyd, qui l'a repris. Ces quatre notes de musique, Do, Sol, La bémol et Mi bémol, si jamais vous voulez le refaire sur votre piano ou votre guitare, sont utilisées par la société SNCF depuis 2005, notamment lors des annonces dans les gares. Alors c'est sûr, c'est sympa quand c'est pour annoncer le train, un peu moins cool quand c'est pour les retards, je pense que vous savez de quoi je parle. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. La circulation des trains est perturbée. De passage à Aix-en-Provence, ce son plaît tellement à David qu'il l'enregistre sur son téléphone et qu'il va s'en servir pour composer Rattle That Lock. Mais ne croyez pas qu'il a pris le jingle sans rien demander à personne, hein. Conscient des droits de la mélodie, il a demandé à son agent de s'en occuper. Bien discipliné, son agent contacte le créateur, Michael Boumandil. Michael, il est d'ailleurs à la tête de la société Sixième Son, spécialiste de jingle pour les entreprises. Un contrat est alors signé entre David et Michael. Selon cet accord, le français sera co-auteur de la chanson et il touchera un pourcentage des recettes. La SNCF donne elle aussi son autorisation à titre gratuit. Tout se passe donc dans le meilleur des mondes. Mais ça se gâte peu avant la sortie du titre. Michael se rend chez RTL pour raconter toute sa fierté lors d'une interview. Il dit, moi j'écoute des sons tout le temps, je passe ma vie à ça. Et la plupart du temps, quand j'écoute des choses dans le quotidien, c'est pas très inspirant. Et ce que vous avez fait pour moi est très unique. C'est très bien fait. Il va utiliser un terme, il dit, ça groove étonnamment. Mais patatraboum, ça ne plaît pas au producteur de David qui estime que le français a violé son engagement de confidentialité alors que la chanson n'est pas encore sortie. Il l'écarte alors de la promotion de l'album. Michael attaque alors le chanteur des Pink Floyd pour contrefaçon et réclame la somme très précise, je vais vous le dire, de 493 619 euros de dommages. Après une bataille juridique de plus de 4 ans, c'est le chanteur des Pink Floyd qui va gagner le procès. Mais ce qu'on va retenir, c'est que l'inspiration et la créativité peuvent arriver à tout moment de la journée, un peu comme un train en gare.